énerve le plus les gens chez eux, c'est l'aspirateur. Oui. L'aspirateur, les talons de la connasse de voisine également pour Magic White. Ça, j'ai pas dans mon classement les talons de ta voisine. Je suis désolé, Magic White. Hein. Bon, et ce matin, on va donc faire cesser le bruit chez les voisins. Si vous avez une voisine, par exemple, qui passe l'aspirateur le samedi et le dimanche matin. Et que ça vous dérange. Et que ça vous dérange. Ou même le matin à 6h15, par exemple, si vous êtes réveillé exceptionnellement aujourd'hui parce que vos voisins ont fait du bruit. Déjà, vous pouvez les remercier parce que vous êtes branché sur Skyrock plus tôt et vous allez pouvoir gagner de l'argent dans un instant. Tiens. Alors, on fait un petit tour des familles. C'est l'heure du French Test. C'est parti, hein, allez, c'est parti. Le French Test sur Skyrock. Le French Test sur Skyrock. Romano, il voulait demander aux familles de mettre l'aspirateur en marche ce matin. Ah bah moi, de toute façon, je ne participerai pas à cet appel. Je suis contre. Le but, c'est de demander aux gens d'arrêter de faire du bruit. Ah bah moi, justement, je suis contre tout ça. Je veux qu'ils le mettent en route. Allô, Pascal. Oui. Bonjour, Pascal. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Ça va bien. Bon, je suis avec un ami. C'est pour te demander deux trucs, Pascal. Oui. Est-ce que tu as un aspirateur chez toi ce matin? Oui. Oui. Est-ce que tu peux le mettre en marche? Parce que j'ai un ami, il a des insomnies. Oui. Et non, il a pas dormi de la nuit et le bruit de l'aspirateur, ça le berce. Moi, ça me berce. J'ai qu'un balai et le balai, ça fait pas de bruit. Non. Tu peux me mettre un petit coup d'aspirateur, s'il te plaît? Non, mais juste allume-le au téléphone, hein. Allez, sois sympa. Allez, s'il te plaît, moi, ça me fait rêver, ce bruit-là. Ah bah ouais, non mais je préfère le vrai quand même. Tu le fais bien, je trouve. Ah ouais. J'ai essayé de l'imiter toute la nuit, l'aspirateur, ça l'a pas fait. Ah bah là, on dirait un Dyson là. Tellement c'est bien fait là. Alors, Pascal. Pascal. Allez, Pascal. Allez, Pascalou. Non. Non. Oh, Pascal. Bon, alors, c'est peut-être ta femme qui maîtrise l'appareil, tu sais pas t'en servir toi. C'est la responsable. Non, elle est pas là. Il est pas là, maintenant. Elle est pas là, bah oui. Ah bah elle est pas là. Il est tout perdu. L'aspirateur, il arrive pas à le mettre en route. Un homme avec un aspirateur entre les mains, c'est impressionnant quand même. C'est clair. C'est comme une poule avec un couteau. Vous avez eu un bel exemple tout à l'heure avec Karim, et là maintenant, c'est Pascal. Bon, bah écoute, Pascal, on va te laisser. Si tu veux, passe le balai. Ça te marche pas le balai, Romano? Non, moi ça ne fonctionne pas sur moi, mais bon, désolé. Bon, salut Pascal, bonne journée. Merci Pascal. Bon, Pascal, il était sympa, mais bon, aspirateur, il sait pas faire. Non. Oh, quel bruit abominable, Romano. Ah, attends, l'autre est mieux. Ah, il a une collection d'aspirateurs sous la main quand même. Ah putain, moi, tu sais que ça me donnerait la chair de poule. Hein. Ouais. Tellement que c'est agréable, c'est ça. Ah, j'adore. Ah, ouais. À part Carriole, ça, il y a des problèmes ou pas? Passer à ce matin. Viens avec plaisir. Oui. Carriole, tu viens tous les matins avec un aspirateur, Romano, le plus heureux des hommes. D'accord. Je vais pas vous afficher ça dans l'équipe, je préfère faire ça perso. Parce que chez moi, je m'allonge sur mon canapé et Carriole, elle tourne autour de moi. Et je lui revolte autour de lui, il adore. Et là, c'est le rêve. Avec son, elle monte dessus sur l'aspirateur à roulette, elle surfe avec le balai. Moi, ça me met dans tous mes états. Au départ, on devait appeler les familles pour leur demander de couper l'aspirateur. On se retrouve avec des aspirateurs partout. Non, mais tu peux passer un coup de fil en demander aux familles d'arrêter, mais je ne peux pas participer, c'est contre ma volonté. Fais-le pour vraiment pour faire le coup de fil qu'on devait faire. Quand même, ouais. On devait faire cesser le bruit d'aspirateur qui énerve les Français. On a fini par demander au mec de faire. Heureusement, il ne savait pas faire. On a vraiment eu de la chance. Ouais. Farido qui nous dit, moi j'ai un aspirateur silencieux donc pas de problème. Ah non, ça j'aime pas. Mais ça fait toujours un petit bruit un aspirateur, un petit peu, non? Ouais, ça arrive toujours à faire un bruit. Oui. Dis-nous, Farido. Allô, Jackie. Oui. Salut, Jackie. Oui. Et où, Michel? Très drôle. Oui, dis bonjour à Michel, Jackie Michel, tout ça. Jackie, tu m'entends? Jackie, ils sont comme un pot. Il sort comme un pot. Jackie! Ça m'étonne pas que lui, il passe l'aspirateur à 8h du matin le dimanche, ça ne gêne pas du tout, il a l'impression que l'aspirateur est silencieux. Jackie, un petit coup d'aspirateur dans l'oreille, ça débouche. Jackie! Ah, je te dis, lui, il sort comme un pot. Jackie, lui, ça lui pose aucun problème. On a trouvé la solution. Jackie, devenez sourd. Jackie, tu lui fais des coups de marteau piqueur à côté de chez lui, ça ne le dérange absolument pas. Ah, bah ouais, ça a quand même quelques avantages, la survie. Bah, c'est calme. Ah, bah oui, c'est calme. J'ai toujours calme dans ma tête. Au revoir, Jackie. Le problème, c'est pourquoi il a acheté un téléphone. Ouais. Il a peut-être une femme. Bah oui, qui elle n'est pas sourde. Bon, bah bonne journée à vous et bon réveil. Faites gaffe, il fait froid ce matin. Allez, suis une température, moi, 1 degré à Auxerre, 4 degrés à Lorient. Ah bah Lorient, c'est pratiquement la canicule hein, par rapport à toute température. Ah bah c'est impressionnant, tout 4 degrés, dis donc. J'ai vu qu'à Sorbier, à côté de Saint-Etienne, il faisait 1 degré. Salut à toi, c'est pas loin de Saint-Chamond, en Sorbier. Ah, big up à Sorbier. Et un bonjour de Finlande où il fait moins 10 degrés. Ah, on nous écoute en Finlande et il y a 10 cm de neige. Ah bah voilà. On t'embrasse à 10. Salut à toi. Allez, direction les familles. Le French Test sur Skyrock. Le French Test, c'est parti. Et chez qui on va ce matin pour faire un petit test avant de vous offrir de l'argent? Il y a de l'argent à gagner dans un instant. On va jouer au jeu de Cédric. Et on va chez Jean-Michel. Et on va chez Jean-Michel ce matin. Jean-Michel, c'est parti chez Jean-Michel. Est-ce qu'il est bon en maths, Jean-Michel? Est-ce qu'il va pouvoir nous aider dans notre... Bah j'espère. Attention. Ouais, Jean-Michel. Allez, Jean-Michel.
Allô? Oui, bonjour, c'est la femme à Jean-Mich. Oui. Oui, bonjour, comment vous allez? Ça va. Jean-Michel est disponible? C'est de la part de qui? C'est de la part de Monsieur Lapin. C'était pour un petit exercice de mathématiques. J'aimerais vérifier quelque chose avec lui. C'est quoi cette histoire? Bon, alors, tiens, la femme à Jean-Mich. 1000 divisé par 5, ça fait combien? Bon, c'est quoi ces bêtises? Oh, là là là, honte! Même Cariole avait la réponse. La femme à Jean-Mich, si je te donne 100 euros et c'est rémunéré 2%, combien ça fait au bout d'un an? Oh, elle s'est pas. Oh, elle est nulle. Elle a séché. Elle a entendu à Nice comme elle est nulle, la femme. Oh, elle est nulle. Oh, la nage. Ah, ouais. La honte. Oui, oh, la grosse nage. Elle a eu peur du crâne à Romano, je crois. Ouais, c'est ça. Oui, mais elle ne le voit pas au téléphone. C'est impossible. Attends, pour le prochain, je vais mettre mes mains sur la tête pour me masquer le crâne. Allô. Exactement. Oui, allô, allô. Pierre. Pierrot. Ouais. Ouais, comment tu vas, ma poule? Quitté. Eh ben c'est Jean-Louis à l'appareil. Mais quel Jean-Louis? Jean-Louis David, le coiffeur. D'Ivoire, je suis en train de faire mes comptes là au niveau du salon de coiffure. Et j'avais une question à te poser. 1000 divisé par 5, ça fait combien? Non mais tu vas pas me faire chier au matin comme ça, non? Oh, il s'est mal. Oh, la honte. Tu sais même pas 1000 divisé par 5 là. Oh. C'est pas un problème, ton numéro il sera tracé, il est peut-être secret, mais tu sauras même pas le lire. Ah ouais, tu sais même pas lire les chiffres. Ah ouais, la honte. Oh là là. Et 100 euros. Ah là là. Oh le naze. Ah ouais. Oh là là. À Nice, on donnera le numéro également de Pierre. De Pierre, voilà, c'est ça. Il y a des cours à donner. Ouais, tu vas organiser du soutien scolaire là. Ouais. Bonne journée de cours, Nice. J'ai besoin d'être rémunéré. Oh, bah, on va te filer un cadeau, bouge pas. Ouais, t'inquiète, et puis Cariole, elle a plein de sous. Ouais, plein, plein. Romano, elle sait tout. Elle est plus blindée que moi, tu sais. C'est pas vrai. Salut Anis. Ciao Anis. Bonne journée à toi Anis. Et on va jouer. Ah, on va jouer maintenant au jeu de Cédric. Petite question de sélection pour le jeu de Cédric. On va aller parler football et sexe ce matin à 7h24. Football et sexe. Alors on va parler de Victoria Dorval. Victoria Dorval, c'est une femme entre guillemets de 30 ans qui a révélé qu'elle avait couché avec des stars, dont Karim Benzema. Alors, il fait froid ici en plus. Mais dans le studio, il fait froid, pratiquement aussi froid que dehors. C'est vrai, ouais. Je vais remettre la doudoune si ça continue. On parlait des petites maladies d'hiver, petite gastro peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Mais j'ai l'impression que si c'est ça, elle est corsée cette année. Pourquoi? C'est une belle gastro. Non, mais ça me fait atrocement mal au bide en fait. Pourquoi t'as passé la nuit sur le trône? Non, pas la nuit. Mais déjà en rentrant, je sais pas, j'ai eu une montée de mal de bide carabiné. Ouais, ça commence comme ça la gastro. Hein. Après j'étais aux toilettes. Ça bon, c'est la suite de la gastro. J'ai fait mes besoins par derrière, j'ai cru que ça allait sortir par devant. Ah ça c'est quand c'est vraiment la gastro. C'est après quand j'ai été couché cette nuit, ça a été. Et là ce matin quand je me suis réveillé, c'est ça reparti de plus belle. Ah ouais, j'ai eu à nouveau mal au bide. Bon là je me suis plâtré, Smecta et compagnie. Là. Bien, c'est les maladies d'hiver qui arrivent, on en parlait il y a quelques instants sur Skyrock. Ouais. Eh bien on vous salue tous et toutes, vous qui êtes malades. Bonjour à Guada, bonjour à Laure. Lorenzo et son orgelet. Salut Lorenzo qui se fait opérer au cutter. Très bien. Quelle horreur. Change de médecin, Lorenzo. Hein. Ça passe le médecin. Si t'as un truc à l'œil, le mec qui se fait opérer au cutter, faut faire attention. Hein. Court. Bon, on fait un petit French test ce matin. C'est Allez. Rapide. Bon, on sort, on a froid, on a peur de tomber malade, on demande le refuge et l'hospitalité. Et l'accueil. Oh oui. Vous avez qui au téléphone à appeler tout de suite? Là, on a Jackie. Ah, tu n'as pas Jawad? Non, je n'ai pas Jawad. Le logeur fou. Non, mais si t'as besoin de quelqu'un qui te loge. Ah, lui, il est bon, lui. Jawad. C'est le meilleur. Karim l'adore, d'après ce que je vois. Je suis fan de lui, moi. Fan. Caché. Oui, hello. Allô. Oui, bonjour, madame. Excusez-moi, je vous appelle avec un numéro caché parce que je sais pas comment on décache le numéro de téléphone. Ah bon? Oui, comment allez-vous? Vous voulez quoi, monsieur? Bah écoutez, moi je vais fraîchement ce matin, je suis sorti de chez moi. Et avant de prendre le bus, j'ai une petite demi-heure et il fait froid dehors. Vous pouvez pas m'accueillir, me faire un petit café? Ça m'étonnerait, je suis en pleine campagne. Mais j'adore la campagne, madame, moi. Oui, la oui, campagne, ça me gagne. Oui. Ouais, je suis en pleine campagne et alors il n'y a pas de transport. Ah, bah si, moi j'attends mon bus, alors je suis peut-être pas au bon arrêt, mais je peux venir chez vous quand même. Oh bah vous pouvez venir, mais ça m'étonnerait, il n'y en a pas ici. Bah vous êtes gentil comme tout, je vais donc venir vous voir. Vous avez rien contre les orgelets aux yeux, vous? Ah non, pourquoi? C'est déjà une espèce d'orgelet ce matin, vous savez, c'est les maladies du froid, c'est une catastrophe ce truc. Ah ben non, je connais pas. Oh, j'ai un œil, on dirait Jean-Marie Le Pen. Enfin, c'est un truc à faire peur en bas. Truc terrible. Bon bah vous êtes bien gentil, je vous fais une grosse bise en tout cas.
Oui. Au revoir, allez, madame. Bonne journée. Au revoir, madame. Et ben voilà, il suffit de demander aux Français. Ouais, si vous avez un petit peu de temps d'attente, n'hésitez pas, faites comme moi, prenez les numéros aux alentours et passez-leur un petit coup de fil. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour aller faire caca, Romano, ça va? Non, ça va pas. Très bien, moment. Parfait. On va éviter de leur pourrir leur matinée, là, ce matin. Bon, allez, c'est parti. On va jouer ensemble maintenant. Le jeu de Cédric. Et le jeu de Cédric vous permet de gagner 50 euros par bonne réponse. On a gagné jusqu'à 350 euros, je crois, au jeu de Cédric. Ouais. Ça ou 400, leur corps, je sais plus. 350 ou 400. Oui, c'est ça. Merci pour la précision. Je t'en prie, full. Toujours là. Toujours là, je vois ça, Karim. Alors, une question qu'on vous pose tout de suite. Il va falloir voyager ce matin au Zimbabwe, où a lieu un concours un petit peu particulier auquel certains membres de l'équipe pourraient participer. Ah. De quel concours s'agit-il? Alors, c'est un truc un peu comme Miss France, sauf que c'est au Zimbabwe et que c'est pas la portée. Eh bien, faites-nous signe. Appelez-nous, laissez-nous des messages, et surtout si vous en connaissez, merci pour tous les numéros, on va les tester là, les numéros que vous nous avez laissés. Laura est terrible. Skyrock, j'adore. Excusez-moi, je m'entraîne, on sait jamais. T'es embauché à Nostalgie. Ah, c'est bon, merci. Laura est extrêmement proche de l'homme dans son organisme. Stop à l'inculture, Diffoul, Caïs 94. T'as raison, Caïs. C'est pour ça que je fais des tests sur les rats souvent. Ouais, les tu pauvres. Parles pas comme ça, bébé, s'il te plaît. Oui, salut, je suis Ratatouille. Ah non, mais c'était avec Cariole, on a rencontré un mec en Italie. Ouais. C'était un ancien joueur de foot italien, mais bon, il est pas super connu. Il s'appelle Cordova. Si, il est connu. Ouais, bah voilà, on l'a rencontré. Et le mec, il parlait comme ça, mais et je dis à Cariole, tu trouves pas que le mec il a une voix chelou? Bon, elle devait être pétée, elle me dit, oh non, il a une voix normale. Non, le mec il était là. Vaffanculo. Non, ciao Romano, ciao Cariole. Mais comme ça tout le temps, il parlait comme ça. Ainsi, une belle giornata. Eh ben merci monsieur. Bon, on le fait notre test là. Allez, ouais, allez. C'est allez, quoi go. C'est un peu. On fait quoi d'ailleurs? Un French test. Un French test pour. Bah on va tester, on va voir s'ils ont des voix pourries ou pas et vous allez nous dire au 41. Ah c'est 7, un peu 5, The Voice. Ouais, on fait The Voice. 41 759 skyrock.fm. Allez, on fait The Voice ce matin. Alors c'est The Voice. Générique. Allez, générique de The Voice et c'est parti. Direction la France. Générique du French test aussi, Romano. Hein. Alors oui. Vas-y. Le French test sur Skyrock. The Voice, on va élire la voice de la matinée. Allez. Putain, j'espère, on y va au hasard. J'espère qu'on va se tomber sur des Français avec des voix pourries. On a pris vos numéros et on les appelle. Là. Qui c'est qu'on appelle? Là, on va chez Jean-Pierre. Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, laissez-moi regarder qui nous a envoyé le numéro de Jean-Pierre ce matin. Alors, Jean-Pierre, laissez-moi chercher, il y a eu tellement de messages. Valérie. Allô. Merci, Valérie. Allô, Jean-Pierre. Oui, vous êtes qui? Ah, ben, tu as une très bonne voix, Jean-Pierre. Allez, super. C'est The Voice à l'appareil. Enfin, un casting des voix les plus pourries, je crois que tu vas être dedans. Hein. Bravo, Jean-Pierre. Jean-Pierre, bravo. Un petit mot pour la télé. Jean-Pierre. Il n'ose plus parler. Ah, ça y est, fait sa star. Dis-lui pas tout de suite qu'il a une voix pourrie. Jean-Pierre! Non, mais lui, ok, je prends. Non, ah ouais, c'est un pourri, ça va. Lui, il est embauché, lui. Bah, déjà, tu sais pas si c'est un garçon ou une fille au départ. Et ça, c'est pas mal. Et ça, c'est un bon départ pour avoir une voix pourrie. C'est un bon début pour avoir une voix pourrie quand tu fais pas la différence. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ah, on salue Sullivan qui a une voix d'ado. Oh, c'est marrant, t'as 28 ans. Oh, au moins, tu restes jeune, Sullivan. Salut! Salut, Sullivan. Ouais, ça dépend, ouais. On t'embrasse, Sullivan. Alors, on appelle qui, Cédric? On va chez Georges. Georges. Allô, oui, Jean. Oui. Bonjour, c'est Georges. Oui. Oui, bonjour, comment vas-tu, Georges? Tu ne devineras jamais bien. Qui c'est qui t'appelle? Non, je sais pas qui c'est qui m'appelle. Eh ben, c'est la télé, tu connais The Voice? Arrête tes conneries. Ah non, mais sérieux, on t'a repéré au niveau vocal. The Voice. Et on s'est dit, Georges, il faut que tu viennes. Allez, arrête tes conneries. Ah, The Voice. Ah si, Georges, moi je vais t'assis sur le fauteuil, je vais me retourner là quand tu vas chanter. Ah, tu déchires. Georges, tu veux pas pousser la chansonnette de bon matin là? Allez, arrête tes conneries. Allez, chante-nous un petit truc, je sais pas, la digue du cul. Ou... C'est la digue, la digue. C'est la digue du cul. Allez, Georges. Non. Allez, à toi, Georges. Allez, je ferme. Michel Sardou. Ah non, bah non, tu fermes qu'est-ce pas. Qu'est-ce que alors. Tu fermes? Michel Sardou, Johnny, allez, fais-moi un petit truc. Allez, je coupe. Tu coupes. Je coupe. Lui, il était mieux que le deuxième. Donc pour l'instant, il était mieux que le premier. Ah oui. Donc pour l'instant, le premier avec sa voix de femme, on le met en 1. Lui, là, Georges, on le met en 2. Allez, fais-en un dernier. Allez, Cédric. Vas-y. Le 3. On va chercher le podium. Ouais. Il s'appelle Hervé. Hervé, et qui nous a envoyé c'est la voix compte. Son numéro, Hervé, que je vous dis ça tout de suite. Bonjour, c'est Nico, c'est la voix compte. Allô? C'est Juan. Oui. Allô, Juan? Non, c'est... Hervé. Oui, bonjour, oui. Dites-moi qui vous êtes. Eh bien, bon Hervé, bonne nouvelle, c'est la télévision française qui t'appelle, TF1, The Voice, l'émission de chant. Oui. Eh bien si, il y a quelqu'un de ta famille qui t'a inscrit, et ce matin, on t'appelait pour te caster un petit peu, là, au réveil, voir un peu la voix que t'avais, quoi. Oh, c'est Nico, il a une voix de merde, prenez-le! Ah, ben on va le prendre! Ouais, prenez-le!
Eh, comment il s'appelle lui? Hervé. Oui. Oui. Est-ce que tu pourrais nous chanter un petit quelque chose? Non, mais tu perds ton temps, là, espèce de guignol. Ouais, alors, ouais, pop, Hervé, sur un autre ton, Hervé. Guignol. Ah, c'est Nikos. Oh, pardon. Oh là. Voilà, ouais. Il y a Nikos, c'est fait grève. C'est un androïde, Nikos. C'est l'androïde de Nikos qu'on a récupéré. Bon, alors, le premier était quand même le meilleur. Ah oui. Le troisième, il était pas mal aussi. C'est dommage, le premier, il a pas assez parlé. Oui, c'est, ouais, c'est dommage. Il a loupé la fenêtre ouverte. Ah, mais ouais. Dommage. Bon, ce matin, on va livrer des colis chez les Français. Oui, nouvelle formule de livraison. Hein. Formule, attention, complètement moderne, puisqu'il s'agit de la formule drone. Drone et hélico. Waouh. Wow. Ah, bah, carrément. Le French Test sur Skyrock. On livre des Français avec un drone ou avec un hélicoptère. Comment réagissent-ils? C'est ce qu'on va tester tout de suite. Et attention, décollage immédiat. C'est parti. Ah, mais Romano, tu es dans ton hélicoptère? Eh oui, je suis en train de survoler le studio de Skyrock. Je me demandais où était passé. Allô, Jean-Luc? Oui, bonjour, Jean-Luc. Allô? Jean-Luc? Ouais. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis dans mon hélicoptère. Est-ce que je pourrais vous larguer un colis au-dessus de votre maison? Je vous entends, hein. Absolument pas. Alors, mon ami est dans un hélicoptère et il voudrait livrer un colis. Est-ce qu'il peut vous le larguer de l'hélico? Il est juste au-dessus de chez vous. Bien sûr, pas de problème. Ouais, y a pas de souci. Alors, monsieur le pilote. Oui. Oui, vous avez l'autorisation, vous pouvez larguer le colis, allez-y. Autorisé. Larguement autorisé. Largage, ouais. Largage, oui. Larguement. Cédric. J'ai largué, ouais. Cédric a largué aussi, oui. C'est tout le monde a largué. Ouais. Merci. Ça arrive, c'est parti. Et attention. Très bien. Le largage est effectué. Bram. Ça y est, c'est arrivé. Et l'autre s'est fait livrer une enclume. Il a plus de maison, fini. Plus de tête non plus. Et hop, j'ai fait un looping avec mon... Wow. Mais qui l'est fait, hein. Je suis impressionné, moi. Impressionné, moi aussi. Bon, il est 8h26, on n'est pas en avance, on va jouer au chronotune maintenant. Allez, c'est parti. Le chronotune pour gagner... La thune. Exactement. Chronotune est la question de sélection. On parle de ce que mangent les Français au réveil. Ce matin, sur 10 Français, combien de Français consomment des céréales tous les jours au petit déjeuner? Donc vous prenez 10 Français sur 10. Combien il y en a qui consomment des céréales au petit déjeuner? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et attention aux portes du camion. Hein. Ah oui. Ouais, je vais gérer, salut. On a bien retenu. Ciao Sullivan. Et les conseils pas chers tout de suite. Le vent, ça peut rapporter de l'argent, gros. Avant que t'aies pu dire quoi que ce soit, il t'a déjà arnaqué. Les conseils pas chers de Romano sur Skyrock. Et on salue Cédric Couille, qui lui est livreur et s'est déjà pris la porte de la benne dans la gueule avec le vent lui aussi. Donc Sullivan était pas le seul. Alors un petit conseil pas cher. Quand on a des problèmes à cause du vent, on peut également avoir des idées grâce au vent. C'est ça. Eh bien ce matin, j'allais à la boulangerie. Ouais. J'avais un billet de 50 euros. 50 quand même. Ah ouais, quand même. Pour acheter une baguette. À la main. Ouais, parce que j'ai des grosses coupures. Ouais. Et du coup, ils s'est envolé. Je vais demander s'ils peuvent pas me faire crédit. Je viendrai les payer demain. Oui, c'est ça. Oui, voilà, demain. Alors, la maison fait-elle crédit? Allez, c'est parti. La boulange ce matin. Ça, il y a plein d'endroits où ils mettent la maison ne fait pas de crédit. Tu sais, ils mettent une petite pancarte. Je pense que c'est pour les gens comme moi. Sûrement. Mais il y a des gens radins. Hein. Ouais. Donc, la boulangerie ce matin, et si ça marche, tentez le coup. Hein. Mmh. Oh, il y a eu du vent. Oui, allô. Oui, bonjour madame, je suis bien à la boulangerie. Oui. Bonjour madame, je suis bien à la boulangerie. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Là, je suis en train d'arriver à la boutique. Elle ouvre à quelle heure? Elle est ouverte? On est ouvert depuis 5h30. Bravo, madame, c'est parfait. Ça fait plaisir d'avoir des commerçants comme vous qui se lèvent tôt. Vive la France qui se lève tôt. Dites voir, j'ai eu un petit souci. En venant, j'avais un billet de 50 euros à la main. Avec le vent, il s'est envolé, du coup. Comme ça. Et je voulais savoir, vous pouvez me faire crédit jusqu'à demain? Non, pas du tout. Ah bah c'est très sympa. Si je vous connais pas, monsieur, je sais même pas qui vous êtes, vous vous êtes pas présenté. Bah alors... On peut faire connaissance. Il s'est pas présenté le vilain. Eh bien... Oh, qu'il est vilain. Bah alors, présente-toi, dis donc. Bah, je suis monsieur Lapince. Alors, monsieur Lapince. Le petit chauve à lunettes qui vient régulièrement. Oh, petit chauve à lunettes. Oh bah dis donc, il s'est pas présenté. Faut le monsieur. Faut se présenter. Non, ah oui. Je crois, juste pour la santé mentale de la dame, il faudrait qu'il ouvre peut-être un peu plus tard. Je crois qu'il est sur les rotules. Et c'est fatigue de se lever tôt. 5h30, hein. C'est un coup à 4h30. Allô? Oui, bonjour madame, je suis bien à la boulangerie. Oui. Oui, vous êtes ouverte là? Oui. Oui. Dites voir, j'ai un petit souci, je viens régulièrement chez vous, votre pain est très bon. En venant là, j'avais un billet de 50 euros à la main. Avec le vent, il s'est envolé. Vous pouvez me faire crédit jusqu'à demain?
Peut-être, oui. Ah bah oui, parce que du coup, je vais vous prendre 10 croissants, 10 pains au chocolat et 15 baguettes. Oui. Oui, puis je viendrai vous les payer demain. Oui. Bah, vous me les préparez, je suis là dans 5 minutes. Oui. Parce que là, vous entendez comme ça souffle, là. Oh, ça souffle. Oh là, il y a des bourrasques. Vous voyez que ça souffle un peu dehors. Vous, oui. Vous verrez en arrivant, il y a mes cheveux aussi qui sont volés. Je suis chauve comme un caillou. Oui. Tout est parti là sur la route. Tout. Bon, bah j'arrive alors. Oui. Merci ma bonne dame. Au revoir. Au revoir. Oui. Au revoir. Oui. Eh, en tout cas, elle, ça allait mieux. Ça allait mieux que la, ça allait mieux que la précédente. C'est, je sais pas, elle, ouais. C'est une vraie commerçante. Comment le non, mais la précédente, elle était en burn-out. Oui, elle en pouvait plus. Elle se lève trop tôt. Elle l'a dit d'ailleurs 5h30 tous les matins. Ah bah ça, c'est terrible. Ou alors, c'est une grosse radine. Il y a Derek, 20 ans, qui tombait déjà sur une boulangerie où elle a refusé la baguette. Il lui manquait 2 centimes. Je pense que c'était le cousin de Romano. C'est possible. C'est possible, ouais. Oui, c'est possible. Ouais, mais bon, moi je serais commerçant. Je veux dire, tu fais 2 centimes par 2 centimes à la fin de journée, bah, ça fait des euros. Hein. Et une petite blague que vous trouvez, dans les bars marseillais, ouais, c'est Momo qui nous en. Tupac et Dr. Dre sur Skyrock pour se réveiller. Le gros son de Sky, c'était California Love. On prépare Jules avec Wesh Alors. Et tout de suite, pour finir avec les chambres en bordel, on salue tous ceux qui nous ont laissé des messages. Noah qui nous dit, il faut le punir, je suis ado, il y a aussi du bazar dans ma chambre. Et les punitions, il a testé, ça marche. Ah voilà, oui, il s'est fait punir. On salue ta maman, Noah, 15 ans. Et donc, une méthode maintenant super. Voici Romano qui apporte la solution à tous ceux qui n'ont pas envie de ranger. Et aux mamans qui n'ont pas envie de s'énerver. Leurs enfants. On termine la question Google. Eh bien, ce matin, c'est mes voisins qui vont faire le ménage. Oh. En direct et sans filet, le romanophone, seulement sur Skyrock. Allez, le romanophone est juste après le chronotune, il y a 300 euros à gagner. J'ai ma question de sélection qui est là et je vous la pose dans un instant. Ah, qu'est-ce qui se passe, Cédric, c'était occupé. Non, oh, sans doute une fausse manœuvre, la preuve. Non. Allez, c'est parti, chez là, qui on va. Chez Patrick. Allez, Patrick. Chez Patrick. Allô. Ah, non, fausse alerte. Excité, c'est allô. Oui. Oui, bonjour, c'est Patrick. Oui. Oui, bonjour. Excuse-moi de te déranger. Je suis un de tes voisins là. Dis donc, je voulais te demander un petit service. Aujourd'hui, ta femme. Aujourd'hui, là, j'ai prévu de ramener une petite gonzesse à la maison là. Et c'est un peu crade. Ta femme pourrait pas venir faire un peu le ménage chez moi en attendant. Quelle mais vous êtes qui? Le voisin dans l'immeuble à côté, pas loin là. C'est-à-dire? Je préférerais directement venir à la maison comme ça. Je récupère ta femme, l'aspirateur, et puis elle vient nettoyer un peu la baraque. Je comprends rien à ce que vous racontez. Là. Bon, en gros, aujourd'hui là, j'ai rendez-vous avec une femme que je vais amener à la maison. Chez moi, c'est un peu sale, et je pensais que ta femme pourrait venir faire le ménage chez moi, gentiment. Non mais vous êtes qui? Ah ben je m'appelle Jean-Louis. Oh, hey, Molo Lastico. Eh ben tu vas ranger ta chambre. Bah ben, ouais, ben je vais me débrouiller a priori. Je te le dis, Molo Lastico. Ouais, non, voilà, hein. Ça ouais, t'as le mec hurle dessus. Hey, Kiki. Et pourquoi sa femme ferait le ménage et pas lui, Romano? C'est vrai. Bah ben, oui, ça aurait pu être lui, c'est vrai. Quelle misogyne, c'est. Mais ben, pas du tout. C'est honteux. Allez, chronotune tout de suite. Question de sélection pour le chronotune et bonne chance à Marina, la maman avec la chambre sale. La question du jour, on va parler bouchons. Salut tous ceux qui seront dans les bouchons ce matin, tous ceux qui y sont déjà. Bon courage à vous. Fait monter le son de la radio. Auto-école. Oui. En direct et sans filet, le romanophone, seulement sur Skyrock. Eh oui, sans filet. En plus des auto-écoles ouvertes à cette heure-ci, on a galéré, Romano, pour t'en trouver une. Ah bah nickel. C'est vraiment pour te faire plaisir. Et nous allons tout de suite, mes chers amis, aller faire un petit tour dans une auto-école pour passer le permis en Porsche. Porsche, je prends Ferrari aussi. Dans la, hein. dans la famille. Porsche ou Lamborghini. D'accord, ok. Ferrari. Maserati, Aston Martin. Ouais, passer le permis en Porsche, comme dans la pub Porsche. Là. Elle est marrante cette pub là. Ouais, c'est bien, bonne idée. Ouais. Alors, c'est parti. On va donc à l'auto-école ce matin. Auto-école où je suis un propriétaire de Porsche. On a les deux. Hein. Ah ouais, t'as regardé des propriétaires de Porsche. On en a trouvé. Hein. On commence par qui? L'auto-école. L'auto-école, très bien. École de conduite française. Oui, bonjour, l'auto-école. Oui. Oui, bonjour, je vous appelais concernant un passage de permis de conduire. Oui. Oui, j'aurais souhaité repasser mon permis là, parce que je l'ai perdu. Donc ça, c'est pas un souci. Ah bah, si, c'est quand même un souci. Jusque-là, vous êtes à la bonne adresse. Donc ah bah voilà, parfait. Alors, par contre, j'ai une demande un peu particulière. Je souhaiterais réapprendre à conduire, parce que j'imagine qu'il faut que je reprenne des heures de conduite, du coup. Bah ça dépend, si vous l'avez perdu, c'est quoi? C'est une annulation? C'est non, l'alcool, code, l'alcool. Et... L'alcool. D'accord, ok. Ébriété sur la voie publique. D'accord. Donc du coup, je souhaiterais reprendre des cours, mais dans une Porsche.
Ça me paraît un petit peu difficile. Ah bah écoutez, va falloir, parce que moi j'adore les Porsche. Oui, là dans les Porsche. C'est ballot, hein, c'est ballot, mais je veux ma Porsche. Oui. C'est ballot. Oui, il est en train de déjeuner, il est en train de boire du thé. Avec un petit peu de lait. Ah, tu as mis du lait dans ton thé. Un peu de lait. Quel bonheur. Ah bah quel bonheur, bah oui, mais là, alors la Porsche, comment on fait, chérie? Alors, comment on fait la Porsche? Bah écoutez, vous nous le fournissez avec l'assurance qui va bien et on vous arrange ça. Oh, sympa. Ah bah oui, sympa, mais ça m'effraie quand même. Ah bah oui. Bon, écoutez, quoi la plus grosse voiture que vous avez pour assouvir son fantasme du luxe? Mégane 110. Oh, okay, pas. Ah oui, bah là je descends quand même en gamme. Ah ouais, un peu. Légèrement. Bah, écoutez, on vous mettra un petit plaqué or avec un petit volant rubis. Ah bah très bien. Eh bien écoutez, j'accepte, n'oubliez pas le truc sur le siège, le truc à boules là, magnifique. Avec grand plaisir. Ah bah écoutez, c'est parfait. Pour les bonnes manœuvres. Eh bien écoutez, j'arrive dans la matinée et j'inspecte le véhicule. Mais sans aucun problème. Vous me servirez un petit thé avec un petit peu de lait. Oui, mais alors votre thé, un Darjeeling, un Earl Grey. Earl Grey. Uniquement. Oui, uniquement. Avec un nuage de lait. Un nuage de lait. Lait. Eh bien, je vous embrasse. Eh bien de même. Je vous fais une courbette. Vous mettez le tapis rouge pour mon arrivée. Va falloir me prévenir un petit peu avant quand même dans ces cas-là. Afin que nos disciples puissent exercer leur devoir. Ah bien, ok, c'est très bien. Merci Manon. à bientôt. À très bientôt. Une courbette. C'est ça. Pour l'auto-école. À bientôt. Merci à tous. Eh bien, je t'embrasse. Skyrock t'embrasse ce matin. Ok, ciao. Salut à toi, ciao, raccroche pas l'autre. En tout cas, il est sympa lui. Ah ouais. Allez, on y va pour gagner de la thune maintenant. On va jouer dans un instant au jeu de Christophe. Ciao à tous. Ciao Christophe. Et marche bien, hein. Ouais, et marche bien. Romano, le plus grand escroc de la radio. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Alors c'est parti, direction chez qui, Cédric? Là, on va chez Christophe. Et préparez-vous, on va jouer au chronotune ce matin, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va démarrer avec le chronotune. Ah bah, ça fait 300 euros à gagner dans quelques secondes, le temps que Romano lui gagne de l'argent, après c'est à nous. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, bonjour. C'est la femme à Christophe? Oui, pourquoi? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est l'association pour la marche des Français à l'appareil. Et je souhaiterais parler à Christophe, s'il vous plaît. Écoutez, pour toi, c'est l'association des marches des Français. Bien, madame. Vous êtes qui là? Vous rigolez? Ah non, mais pas du tout là. Je suis avec un collègue. Parce qu'en fait, j'explique. On milite pour que les gens. Non, ah non, on milite pour que les gens marchent. Et pour être sûr que vous marchiez aujourd'hui, je viens chercher votre voiture. Ouais, mais là, vous êtes la radio, vous êtes Virgin Mobile ou je sais pas quoi. Virgin Mobile. Exactement, vous êtes à l'écoute de Virgin Mobile ce matin sur Skyrock. Vous voulez que je vous passe Orange? Je vais vous passer Orange. Nous passons immédiatement Orange sur Radio Nostalgie. Oui, bonjour, c'est Orange. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Tout se passe bien ce matin dans le morning d'Orange? Je vais vous passer SFR. Passe-nous SFR. Bonjour, bienvenue sur SFR. Bonjour SFR, comment ça va? Ça va bien ce matin. Ça va bien, bien. Il y a du réseau, tout est bon. Oui. Allô? La femme à Christophe? Voilà, elle est partie. Oh, quel dommage. Oui, c'est dommage. Garde son numéro, elle, si un jour on a un sujet nouvelle technologie, tout ça, elle a l'air. Faut l'appeler, elle. Elle a l'air à la pointe. Et ça me rappelle une dame qu'on a eue en début de semaine. On lui avait demandé quelle est ta radio préférée. Elle avait répondu M6. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est régulier, oui. C'est pas mal. Je peux quand même avoir un deuxième parce qu'elle est. Ah non, je te remercie bien. Fallait réussir du premier coup. Ah ouais, mais bon, t'as eu aussi. Bon, c'était pas aidé là. Bon, tu sais jouer. Il y a Miss Toine qui nous dit encore une qui a tout compris. Ah oui, c'est ça. Et voilà. Bon, alors, tu appelles qui là? Joël. Joël, voilà, c'est ça. Joël. Allô? Ouais, Joël. Allô, voici. Ouais. Ouais, bonjour, comment vas-tu? Ouais, ça va. Ça va, je me présente, monsieur Lapince, le président de l'association des marcheurs. Tu marches beaucoup, toi, tous les jours? Tu sais que c'est bon pour la santé, hein? Ouais, je marche, ouais. Ouais, bah écoute, moi je trouve que tu marches pas assez, donc ce matin, je viens réquisitionner la bagnole. Donc je te la rends dans une semaine. Réquisition du véhicule, tu seras obligé de marcher. Ouais, tu vas me remettre les clés du véhicule immédiatement, là, quand je vais arriver, là. Ok, Joël? Quelle voiture? Bah, t'as ta bagnole à toi. Pourquoi faire? Bah, parce que il faut que tu marches plus. C'est ce que je fais. Ah oui, non, mais tu marches pas assez. C'est bon pour la santé de marcher, donc je récupère la bagnole. Comme ça, je suis sûr que tu liseras pas. Ah bon? Et puis moi, ça tombait bien, j'en ai besoin pour partir au week-end, du coup. Parfait. Ouais. C'est nickel. Bah, je viens la chercher à 8h. Ouais. À tout à l'heure, chérie.
Ouais, on verra ça. Bisous, bisous mon Jojo. Je serai pas là. Ah bah je viens avant alors. Allez, hein? Je viens dans 5 minutes. À tout de suite Joël. Même pas, je serai au lit. Ah bah je me coucherai à côté de toi. La porte sera fermée. Ouais, mais je vais te faire faire un peu de... Il passera par la porte de derrière dans ces cas-là. Hey, Joël, ce matin on va faire du sport mais en chambre. Ah bah c'est bien, vous avez raison. Ah bah c'est nickel. Ah bah à tout de suite mon Jojo. Ouais. Salut Joël. Bisous ma poule. Ciao. Et voilà. Bon, parfait. C'était pas prévu mais bon, j'étais obligé de donner de mon corps. Exactement, mais c'est tu es tellement excitant que même les familles qu'on appelle au téléphone ne peuvent pas résister. Non mais Joël il était à fond. C'est là. Ouf. 6h24, allez on va jouer, c'est parti. On joue à quoi? On joue au chronotune. Vous avez la réponse à la question de sélection que je vais poser maintenant. En plus elle est super facile. J'ai les problèmes chez les parents. Bravo. Et comment résoudre ce problème pour faire l'amour? Attention. Une seule radio. Un seul morning, un seul animateur t'offre 1500 euros tous les matins. Prêt? Et avant de nous occuper de tout ça, j'ouvre l'enveloppe des 1500 euros. On va passer un coup de fil quelque part en France ce matin. Et ce matin, on va du côté de Nantes et on va même à Nantes. 1500 euros à gagner dans le 44. Les Nantais, les Nantaises, c'est pour vous. Le numéro tiré au hasard, c'est le numéro de la famille Le Carour. Davy Le Carour. Davy. Ou Davy. Davy, non. Davy Crockett. Ouais, Davy. Comme Davy Crockett. Davy Crockett. Voilà, croquette de poulet. Ouais. Croquette pour chien. Je préfère croquette pour chien. Hein, comprends, c'est tellement bon. Oui, allô? Regarde, je bouge la queue. Allô, oh. Allô, 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 Davy? Oui. Oui, bonjour, Davy. On est en direct à la radio, Davy. Comment vas-tu? Oui, très bien. Très bien. Ah, Davy, t'as l'air d'avoir le sourire, ouais. Ouais. S'il a le sourire comme ça, c'est qu'il se réveille avec nous, obligé. On t'appelait juste pour savoir comment ça allait, ce matin. Bon, bah voilà, bonne journée. Salut, Davy. Davy, tu sais pourquoi on t'appelle ce matin? Non. Alors, je vais tout te dire. Il y a 1500 euros à gagner. La radio qui m'a dit que j'ai gagné 1500 euros. Ouais. Et je crois savoir qui c'est. Vous allez me demander c'est quoi la radio préférée. À tout ça que vous parlez. Ouais, alors, si je te demande c'est quoi la radio préférée, vous me répondez quoi dans la famille? Oui, je vous écoute. Alors, si je te demande quelle est ta radio préférée, en cœur, je vois qu'il y a du monde derrière. En cœur, je peux demander à mes collègues de le faire avec moi. Vas-y. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Skyrock! Ouais. Super les collègues. 1500 euros. Bravo Davy. Vous gagnez combien? 1500 euros. Par contre les collègues ils gagnent rien eux. Hein. Ah oui les collègues gagnent rien. Ouais, c'est mais ils partagent. Ah ben ça vous débrouillez entre vous. Ah vous avez raison, demandez-lui une... Vous avez participé, vous demandez ça va gratter à tout le monde. Une petite commission. Petit billet. Voilà, un petit billet. Un petit bifton pour les amis. Bah, exactement. Voilà, ouais, c'est ça. Tu leur payes un café, ça ira bien. Hein. Oui, non, c'est bien pour ça. Mais en plus, je les écoute tous les matins, donc c'est marrant. Et bah, c'est... Voilà. Et bah, c'est super, David. Tu viens de gagner 1500 euros en direct ce matin sur Skyrock. 1500 euros pour un Nantais, ça fait plaisir. Ouais, bien joué. Et on va t'envoyer ça. Tu vas faire quoi avec tes 1500 euros, David? Oh là 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 là, bah, faut te vous dire, j'ai une formation à payer de moniteur pilotage pour devenir pilote d'essai en automobile. Très bien. Sport auto. Formation à 20 000 euros. J'ai des examens d'entrée à 1500 euros. Donc ça va m'aider pour mes examens d'entrée déjà. Ouais. Parce que ça va financer les études. Ah ouais, c'est bien cher. Très bien. Bah, je fais des heures pas possibles, un max d'heures pour la financer l'année prochaine. Et bien ça me soulage énormément. Le je pensais pas que ça m'arriverait. Hein. Et simple comme un coup de fil. Et voilà. Voilà. Et une bonne réponse. Pas que ça m'arriverait. Et ben c'est pour toi ce matin 1500 euros qui viennent de tomber à Nantes. Pour vous, bah ce sera la prochaine fois. Ne manquez pas le prochain rendez-vous. Vous répondez Skyrock quand on vous appelle. Ouais. Davy, on t'embrasse. Salut Davy, bisous aux collègues. Comment ça se passe du coup? Tu quittes pas. T'inquiète, on va tout expliquer. Et on t'envoie ça avant Noël, tu pourras en profiter. Direction Nantes pour le chèque de 1500 euros. Bravo Davy. Ciao. Plus de bonne humeur que dormir à droite. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment ils ont fait ça, peut-être ils ont fait dormir des gens. En tout cas, il y a des scientifiques qui ont du temps à perdre, mais ça nous a fait un petit sujet, on va faire un petit pari ce matin. Allez, les paris, faites vos jeux, rien ne va plus. On appelle des familles, c'est l'heure du French Test. Attention. Allez. Le French Test sur Skyrock. Donc de quel côté ils dorment? On va appeler des gens et alors au son de leur voix, on va essayer de dire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Donc droite c'est grognon, gauche c'est gentil. Bien vu Cariole. Et allez droite. Alors, à la sonnerie. Attends, là, moi je croyais qu'on parlait avant, moi. C'est qui? Attention. C'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre, non, il est sympa, Jean-Pierre. Jean-Pierre, il est à droite. Non, il est à droite. À droite. Bon, pour Urbano, il est à droite. Là. Moi, j'attends la voix. Pour moi, je dirai à droite. De quel côté, les Jean-Pierre? Pour l'instant, Jean-Pierre, il est nulle part. Il est endormi. Ouais, il est dans son lit. Jean-Pierre, il est ni à droite, ni à gauche du lit. Il est nulle part, Jean-Pierre. Il est sous la couette. Il bouge pas. Alors, Cédric, rappelle-en un autre. Ouais, je prépare un autre. Bon, Jean-Pierre, désolé, mon ami. On saura pas.
Jean-Pierre, ouais, il a le sommeil lourd ou il est déjà parti travailler. J'espère d'ailleurs qu'il est déjà parti travailler. Oui, sinon, si c'est le sommeil lourd. Sinon, c'est inquiétant. Allô, c'est très lourd. Allô. On est à la femme à Gilbert. Oui, bonjour la femme à Gilbert. Gauche. Oui. Gauche. Oui. Gauche. Gauche. Donc, allô, la femme à Gilbert, comment vas-tu ce matin? Oui, mais moi, j'ai pas le temps. Allez, à droite. Elle. Et voilà, droite. Voilà, à droite. C'est de mauvaise humeur à droite. Voilà, voilà. Voilà. Donc elle dort à droite du lit, elle, c'est sûr. Allez, un autre petit pari, puis juste après, on joue avec DJ Roro. Christian. Ah merde, appelle Christian. Elle était super la femme à Jean-Pierre d'ailleurs. Ah, il n'y a pas le tang. La femme à Gilbert. Je n'ai pas le tang. Ah, c'est qui là maintenant? Là, on va chez Christian. Ah, attends, Gilbert, Christian, Cédric, tu es tout excité. Là, c'est ça, mais t'as confondu. Allô? Allô, Christian? Oui? Ouais, comment tu vas ce matin? Ça va. À droite? À gauche. À gauche, à gauche, il est bonne humeur, à gauche. Dis donc, Christian, une petite question là pour un sondage. Tu dors à droite ou à gauche dans le lit? Ah oui, très bonne question. Ah alors, quelle est la réponse? Alors, moi il y a longtemps que je suis levé, alors tu me fais chier. Ah oui, d'accord. Ah, et au final j'avais raison, ah, quand oui. Je disais qu'il il s'endort à gauche et il finit à droite. Ouais, c'est ça, il ouais. Se réveille à droite. Très très à droite. Donc on dort à droite, on est grognon, on dort à gauche, enfin on est plus grognon, on dort à gauche, on l'est moins. Voilà pour le sondage à la con. C'est même pas un sondage, c'est une étude scientifique. Ouais. On peut le dire à la con aussi. Mais bon, ça fait plaisir tout ça. Il est 6h17, on va jouer avec DJ Roro, pas de temps. DJ Roro. Premier sur le tempo.